السلامة ومرحبا بمشتركي سبورة نت. اليوم إن شاء الله باش نصلح لكم لي سيري على البرومي شابيتر في الجيومتري اللي هو برودوي سكالير. دونك السيري نتاعنا هي على ليكرون. دونك باش نصلح لكم إن شاء الله في الفيديو هذا لي 3 برومي إكزارسيس. دونك ليكزارسيس نيميرو 1 سوا ABC ان تريونغل إيكويلاتيرال دو كوتي 5 سنتيمتر. جو معناتها إيكويلاتيرال، دونك لي 3 كوتي سون إيغو. I est le milieu de BC. Calculer les produits scalaires suivants. Donc, les produits scalaires, on dit BA scalaire BC, CA scalaire CI, ou AB moins AC scalaire AI. Donc, nombre de corrigés internes, nombre de corrections internes, soit ABC, un triangle équilatéral de côté 5 cm. Donc, juste, je n'ai comme rasm taqribi. Donc, on va faire le rasm comme il faut. Pardon. De côté 5 cm, donc terre de côté 5 cm, même distance très droite comme pas ou tsaouro. Donc elle a juste je n'ai comme là c'est pas clair. Voilà. A, B, C. Ok, soit H ou bien I. Le milieu de BC, donc A de BC, I est le milieu de BC, donc ça c'est I, point I. Donc, calculer les produits scalaires suivants. Donc, produit scalaire interne à l'oléni, il y a BA scalaire BC. Quoi égal BA scalaire BC. Donc, je vais faire le nez, juste je vais faire BA scalaire BC égale norme de BA. Voilà, fois BC, fois cosinus, l'angle. L'angle ABC. ABC, c'est accolé BA scalaire BC. Donc, qu'est-ce que l'angle intérieur ABC, l'angle linéaire. Okay. Que fait les deux vecteurs, le homme, le BA ou le BC. Donc, quoi t'égale, il dit. Donc, on dit le BA normalement 5 cm, fois 5 cm, fois cosinus. C'est un triangle équilatéral. Donc, quoi t'égale cet angle Hedi 60 degrés, d'accord? Ou Hedi kif kif 60 degrés? Ou Hedi 60 degrés? Donc cosinus 60 degrés, ok? Donc, dans le calcul, on trouve 25 sur 2. Ça, c'est le produit scalaire BA scalaire BC. Donc, le produit libre, c'est A scalaire CI. Et quoi est égal CA scalaire CI? On note le cadre d'ici. Et CA fois CI fois l'angle. Et l'angle ACI, d'accord? Donc, quoi est égal? Égal CA5 fois CI, puisque I est le milieu de CB, donc CI est 5 sur 2. Fois, pardon, cosinus l'aîné, cosinus l'angle, cosinus 60. Voilà. Donc, on trouve 25 sur 4. Voilà, déjà un 5, on a 5 sur 2. Donc, on trouve 25 sur 4. Le produit des bandes, on a calculé le produit. AB moins AC, voilà, scalaire AI. Donc, j'en dis, on dit AB moins AC. AB moins AC. Ou B2 égale, je vais mettre AB moins AC, ou bien je mettre AB plus CA. Plus CA. Voilà, je vais mettre le tenu là. Il y a moins AC, ou elle plus CA. Ok? Quelle est la scalaire? Ah, voilà, donc AB plus CA, quoi est égal AB plus CA, et CB, voilà, qui est égal à CB. Relation de chat, donc scalaire égale à AI, voilà, donc CB scalaire AI, quoi est égal, égal à 0, allez, change. Et il y a d'autres que le projeté orthogonalement qui est en figure qui est en donc, il y a l'année 90 degrés, donc égal à 0. Mais juste l'année AB plus CA. AB, pardon, AB plus CA égale CA, voilà, plus AB, d'accord? Donc, qui est égal à A ou A. Donc, égal à CB, relation de charge à l'état. Donc, exemple, on dit le point A, on dit le point C. Donc, CA, voilà, CA plus AB. Exemple, il y a B. Plus AB. Donc, CA plus AB, il y a
CB. Voilà, ici CB. OK. Donc, c'est l'exercice 1. L'exercice 2. L'exercice 2, ABC est un triangle dans lequel AB égale à 2, AC égale à 3. De plus, AB scalaire AC égale à 4. Ce triangle est-il rectangle? Si oui, précisez en quel sommet. Okay? Donc, on a des exercices simples. Donc, je vais faire les exercices. Donc, on note les données. AB égale à 2. AC égale à 3. Ou AB scalaire AC égale à 4. Est-ce que triangle est rectangle ou non? Je m'en fais triangle rectangle. Donc, il suffit d'avoir un produit scalaire. Il est négé 0. Donc, je vais faire BA, exemple, BA scalaire BC. Quoi est égal BA scalaire BC? Normalement, il y a BA scalaire. Il y a BA scalaire BA. Plus AC. Voilà. Donc, juste halite l'année. BC, il y a BA plus AC. D'accord, le point A. Donc, égal. Quoi est égal? Il y a BA scalaire BA plus BA scalaire AC. BA scalaire AC. Donc, fil résumé, carré scalaire. Donc, BA scalaire BA, il y a BA au carré. Plus BA scalaire AC. Quoi égal BA scalaire AC? Donc, quel est le chemin de le BA est AB. Donc, signe plus, c'est un chemin moins, tout simplement. Égal à BA au carré moins AB scalaire AC. Voilà. Donc, AB scalaire AC, déjà, a égal à 4. Dans le même on la distance BA au carré, liée, BA lié 2. Donc, est égal à 2 au carré. Moins 4 égale à 0. Je m'attends BA scalaire BC égale à 0. Donc, BA et BC sont orthogonaux. Donc, BA et BC sont orthogonaux. Eh bien, notre triangle est un triangle rectangle en B. Voilà. Triangle rectangle en B. Juste B, rien. Donc, tabac fait les formules. Ta produit scalaire dans le plan. Dans l'exercice 3, je l'en fais l'exercice 3. C est un cercle de centre O et de rayon R. Et A est un point fixé du plan. C'est un cercle de centre O et de rayon R. Où A est un plan, point du plan. Il n'appartient pas au cercle. Le but du problème est d'établir la propriété suivante. Donc, quelle que soit la droite D, elle est droite D, passant par A, coupant le cercle C en deux points, lié au P ou le Q, le produit scalaire AP scalaire AQ est constant. Oui, nous l'AP. Donc, AP scalaire AQ égale à constant. Donc, montrer que AP scalaire AQ égale à AP scalaire AP prime avec P prime point moujouda à cercle autre que P ou opposé les P. Okay? Donc P et P prime sont deux points opposés et habibain le produit scalaire AQ ou abidou AP scalaire AP prime. Et les questions nous l'aînent. Batéjou habibain nous AP scalaire AP prime égale AO au carré moins R au carré. D'accord? Donc AO au carré moins le rayon au carré. On va conclure. Donc, mêler les deux questions et les rebattes. Question numéro 1. Montrer que AP scalaire AQ égale à AP scalaire AP prime. Le Q, je note, les P prime. Le Q n'est d'autre que le projeté orthogonal de P prime. Donc, puisque il y a le projeté orthogonal de P' sur la droite AP, donc, je vais me dire, et nous, AP scalaire AQ égale AP scalaire AP'. C'est une propriété de produit scalaire. Alors, il suffit de faire le point, on a le projeté orthogonal à droite, donc on a fait le produit scalaire, le point à part son projeté orthogonal. D'accord? Donc, je vais dire, puisque Q est le projeté, voilà, projeté orthogonal de P' sur AP.
Donc, Q est le projeté orthogonal de P' sur AP. Donc, je n'ai rien dit. On a AP scalaire AP' égale AP scalaire, voilà, AQ. Ok, juste l'année, la chatte P' est le projeté orthogonal de Q. On a le point T par son projeté orthogonal. Rien ne change. Produit scalaire, l'année, il faut égalité. Tu as là. Puis question 2, je n'aurais pas bien, nous AP scalaire AQ égale à, pardon, puis question 2, AP scalaire AP prime égale à AO au carré moins R au carré. Donc, un champion général, produit scalaire MTI ou AP scalaire AP prime égale, donc AP, il est plus là où je dache le point O. Allez, je dache le point O. La chatte fait démonstration, il est plus là, on dit le point O. Donc, égale AO, voilà, plus OP. Scalaire, kif kif, les nèmes, je dache le point O. AO plus OP'. Alors, le point, dache le ham, mouche à kek. Nchouf, elle, je n'en ai pas eu de bus. Donc, on a un point O, d'ahra, fait l'égalité, les hibal. Et on dache le point O, t'es, on chouche, n'en ai pas. Donc, quoi t'égale, les nèmes? Je suis juste n'en ai pas. Donc, je dis juste n'en ai pas un petit développement. AO scalaire AO prime. Ou l'autre, je vais t'attirer AO scalaire OP prime plus. Donc, je vais t'attirer AO scalaire AO plus AO scalaire OP prime plus OP scalaire AO plus OP scalaire OP prime. Voilà. Donc, je vais AO scalaire AO, je vais t'attirer AO au carré. Carré scalaire, allez. Plus, les nèmes, je vais faire le AO. Je vais faire le OP prime plus OP. D'accord? Donc, plus, et je vais faire OP scalaire OP prime. Voilà. Donc, OP prime plus OP, je vais faire OP prime plus OP. Ça, c'est le vecteur nul. Voilà. Donc, je vais faire OP scalaire plus OP plus OP prime vecteur nul, donc OP prime moins OP égale AO au carré AO au carré plus OP scalaire moins OP. D'accord? Donc je suis allé à dire égale AO au carré moins OP au carré. Quoi égal OP au carré, n'a le figure de TI, OP est le rayon, donc égal à AO au carré moins R au carré. Voilà, à quoi sont le résultat, il y a parlé. Donc, question numéro 3. Je vais scalaire AQ. Ok? Elle est bien la question numéro 1, d'après 1. Je vais bien faire AP scalaire AP prime égale à quoi égale? Égale à AO au carré moins 0 au carré. Elle est la question numéro 2. Donc, je vais dire AP scalaire AP prime égale AP scalaire AQ qui est égal à AO au carré moins R au carré. Voilà. Donc, moins R au carré. Donc, le produit scalaire AP scalaire AQ est une constante. Est une constante. Allez, je vais faire A fixe. Puisque A est fixe, donc notre produit scalaire est constant. Donc, c'est un produit scalaire avec constant. Produit scalaire constant. Voilà. L'A point fixe, ou l'R, ou le rayon de cercle, est inchangeable. Ok, tu vas me la correction dans l'exercice numéro 4. Je t'en fais l'exercice 4. Soit ABC un triangle tel que AB égale à 6, AC égale à 4 ou BC égale à 2 racine de 19. Donc, démontrer que l'angle BAC égale à 2π sur 3. Donc, je t'en ai un triangle ABC. Je ne sais pas juste
figure pour comprendre. Donc, هذا A, B, C. A-t-il la distance AB égale à 6? A-t-il la distance AC égale à 4? Ou a-t-il BC égale à 2 racine de 19? Je vais faire ce que je veux dire, c'est l'angle BAC. BAC, voilà. Et je vais bien dire qu'il est égal à 2 pi sur 3 radians. Okay? Donc, bien sûr, on utilise le produit scalaire. Donc, correction à l'exercice. Je vais dire une question numéro 1. Petit A. Donc, la formule du cachet, je vais dire la formule du cachet. Donc, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 AB fois AC, voilà, fois cosinus BAC. Voilà. Et les formules métiers. Donc, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré moins 2 ABAC cosinus cet angle. Voilà la formule, juste on applique la formule du cachet. Donc, je peux t'assigner l'aîné. Cosinus BAC, quoi d'égal cosinus cet angle. Donc, je peux t'assigner l'aîné. Et il peut t'assigner l'aîné. Et il peut t'assigner l'aîné. Et il peut t'assigner l'aîné. Donc, égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2 AB fois AC. Voilà. Donc, déjà, on a les données que je vous dis. Andi, AB est 6, donc 6 au carré, plus AC égale à 4, 4 au carré, moins BC au carré, maintenant moins 2 racine de 19 au carré, voilà, sur 2 fois 6 fois 4. Application numérique, donc on trouve égal à moins z demi. Je n'ai rien l'angle et le cosinus inter à moins z demi, bien sûr, c'est l'angle de pi sur 3. Donc, BAC égale à 2π sur 3 radio. Donc, deuxième fonction, calculatrice, soit au cosinus, soit au moins 1,5, on trouve 2π sur 3. Voilà. Petit b, je vais calculer la distance CI où I est le milieu de AB. Donc, je vais dire I est le milieu de AB, et I est le point I. Je vais calculer la distance CI. Tout simplement, on applique la formule de la médiane. Donc, je vais partir. En appliquant la formule de la médiane, j'en ai dit CA au carré plus CB au carré égale 2 CI au carré plus AB au carré sur 2. Voilà. Donc, à votre volonté, j'en ai dit CA au carré plus CB au carré égale à 2 CI au carré plus AB au carré sur 2, tout simplement. Donc, on va faire la distance CI. Donc, on dit les néontrages CI au carré. Quoi d'égal CI au carré? Donc, CI au carré égale CA au carré plus CB au carré moins AB au carré sur 2, colha sur 2. Voilà. Application numérique, donc égale 16 plus 76 moins 18 sur 2. D'accord? Donc, juste, je n'ai pas de CA ou CB ou AB. Donc, est égal à 37. Donc, on trouve CI égale racine de 37. Voilà. Donc, on a calculé la distance CI. D'abord, on est à la sabonanette, mais c'est pour ça que je vais vous faire une autre série à produits scalaires dans le plan.